Je suis rentré au sein de l'entreprise en tant que manœuvre et après j'ai évolué vers un poste de maçon-coffreur où après j'ai suivi une formation de chef d'équipe. Et à la suite de là, avec la confiance de mes chefs, j'ai évolué vers un poste de chef de chantier. Je suis très fier du métier que je fais actuellement, ouais, et je me régale tous les jours quand je vais au travail. Je vais avec le sourire et la patate. TB18 et TB3, c'est à peu près 7,7 millions d'heures travaillées, sans accident grave. Ce qui explique ces très bons résultats, c'est avant tout une cohésion hors pair sur ce chantier. Une cohésion qu'on a amenée par l'écoute de nos collaborateurs, l'accompagnement. On les a poussés à se challenger, à améliorer nos process, développer nos bonnes pratiques. Le plus difficile dans notre métier, c'est de maîtriser les aléas, soit la coactivité, conditions climatiques, ces choses-là. Donc, il convient de préparer suffisamment en amont les activités. Pour cela, on met en place tout un processus avec une réunion bimensuelle avec le service des méthodes, les HSE, pour discuter des futures opérations et les préparer au mieux. Le projet de station de conversion électrique INELFE est un projet en conception-construction qui comprend deux stations de conversion électrique d'une puissance cumulée de 2 gigawatts entre la France à Cumnesey, à 50 km au nord de Bordeaux, et l'Espagne à Gatica, proche de Bilbao. Ce projet est un groupement Vinci et les experts français et espagnols de Vinci Energy travaillent avec Hitachi Energy à ce projet transfrontalier. Mon parcours chez Bott Fondation, j'ai commencé comme conductrice de travaux à l'agence Barois-Moulet. Et puis j'ai travaillé dans différentes agences en injection ou à l'ouest et dans le sud-ouest. Et depuis le début de l'année, je suis chargée de développement environnement. Moi, ce que j'aime dans mon métier, c'est de rencontrer plein de gens différents et notamment d'échanger avec les équipes sur chantier, que ce soit les compagnons ou les chefs de chantier, pour qu'on puisse construire quelque chose ensemble.
Nous nous sommes associés à notre bureau d'études interne afin d'intégrer une innovation en cours de poutres évidées qui vise à optimiser et à réduire l'utilisation des matières premières et en particulier le béton, le cœur de notre métier. Le chantier de Drancy nous a permis de mettre en œuvre pour la première fois une innovation qui est une idée qu'on a développée dans un laboratoire en réalisant la première mise en application d'une poutre optimisée en béton armé où on économise 20% de béton, tout ça dans un objectif de réduction d'impact environnemental. On l'a mis en place sur un second chantier qui est la passerelle piétonne de la gare de Palaiseau sur N18 et on a un troisième projet en cours qui est un projet similaire à celui-ci puisque c'était le parking de Nogent-sur-Marne pour lequel on va passer à l'échelle en termes de nombre de poutres mises en œuvre avec une quarantaine de poutres qui vont nous permettre encore une fois d'économiser de l'ordre de 20-25% de béton. Les enjeux techniques du NCHPG étaient la pose des balcons tout en garantissant leur esthétique et leur qualité tout en travaillant en sécurité. Donc c'est là où notre collaboration a permis de déterminer deux solutions à ces problématiques techniques. La première avec la réalisation d'un basculeur qui a permis la mise à plat de ces pièces en garantissant leur sécurité. Et la seconde en réalisant un palonnier qui a permis donc de garantir la pose de l'ensemble des pièces préfa sur les façades du bâtiment. On peut mesurer le succès de ces deux solutions du fait qu'elles sont utilisées quotidiennement sur le chantier sans aucune autre amélioration depuis leur livraison.